Bon, officiellement, mon nom est Djibril Tall. Je suis ingénieur des travaux agricoles. Je suis en service. Je travaille en sélection variétale riz au niveau de l'ISRA de Saint-Louis. Les activités de recherche sur les variétés hybrides font partie maintenant de nos créneaux pour développer de nouvelles variétés à haut potentiel de rendement, de qualité organoleptique appréciée par les consommateurs et tolérante aux différents stress. C'est ainsi que l'ISRA de Saint-Louis, en collaboration avec Artifica Rice, a pu créer une variété hybride dénommée ISRI 9 qu'on avait homologuée en décembre 2017. Cette variété a un potentiel de rendement de plus de presque 13 tonnes à l'hectare et un rendement en milieu paysan de 9 tonnes à l'hectare. Le taux de décorticage est également très élevé avec près de 80% qui est largement supérieur à notre meilleure variété locale, la variété Sahel 108, avec 55% du taux de décorticage. L'aspect, il y a aussi une teneur en arôme légèrement forte, de même que le temps de cuisson dure à peu près 17 minutes. Ouais. Okay, parce qu'actuellement, même cette variété hybride, nous sommes actuellement de l'évaluer en conditions de salinité pour voir son comportement en milieu salin. D'après les premiers résultats qu'on a obtenus, on a vu que cette variété se comporte de la même façon que le témoin tolérant, la variété Isidis. Oui. Sur l'aspect économique, nous sommes en train d'y travailler pour pouvoir mettre la disposition des semences aux différentes compagnies pour la production de cette variété. Oui, parce que on a même eu à travailler avec une compagnie, Bayer, qui nous a également procuré deux nouvelles variétés hybrides qu'on avait commencé à tester depuis l'hivernage 2000-2017. Parce que même nous faisons également des essais de démonstration en milieu paysan avec ces variétés hybrides. Et les producteurs ont beaucoup apprécié, surtout vu la hauteur de ces variétés, la charge paniculaire, c'est-à-dire le nombre de panicules par tâle, et la vigueur de ces plants. Vraiment, ils sont intéressés. Ouais, les prochaines étapes, c'est la production de semences de cette variété pour pouvoir le mettre sur le marché.